Bonjour à tous, je te propose dans cette nouvelle vidéo de présenter des savoir-faire qui sont à maîtriser à partir de la classe de seconde sur le thème des lentilles convergentes et qui constituent une bonne base de révision pour préparer une évaluation. On va reprendre à travers un exercice la méthode à suivre pour déterminer graphiquement la position, la taille et le sens d'une image et on verra dans une deuxième partie comment calculer le grandissement. Voici l'énoncé de l'exercice qui va nous permettre d'aborder tout ça. N'hésite pas à mettre pause pour t'entraîner et le chercher seul avant de regarder la correction. On y va pour la première question, et ce premier savoir-faire à maîtriser, réaliser une construction graphique pour déterminer graphiquement la position, la taille et le sens d'une image. On se place ici sur un petit quadrillage que tu as l'habitude d'utiliser sur une feuille et où chaque petit carreau mesure 0,5 cm. Avant de commencer ta construction, note bien l'échelle choisie. Elle est habituellement précisée dans l'énoncé. On représente d'abord l'axe optique puis la lentille convergente avec le centre optique noté O majuscule. On place ensuite les foyers objet et image à partir des données de l'énoncé. Ici, il est précisé que la distance focale f' est égale à 5,0 cm. La distance focale, c'est la distance entre le centre optique O et le foyer image f'. En respectant l'échelle, on vient donc placer f' ici puisque deux petits carreaux sur le schéma représentent 5 cm dans la réalité. Pour placer F, le foyer objet, tu prends simplement le symétrique de F' par rapport à O, le centre optique. On vient donc le placer ici. Je continue avec l'objet. Il se trouve, d'après l'énoncé, à 15 cm, à gauche de la lentille. Donc on compte, toujours pour respecter l'échelle, 6 carreaux. 5 cm, 10 cm, 15 cm. Le point A se trouve ici. L'objet est perpendiculaire à l'axe optique. Il mesure 2 cm, je fais donc bien attention à l'échelle verticale cette fois, je compte 1 cm, 2 cm ici, et je place B, le sommet de l'objet étudié. On va pouvoir maintenant déterminer graphiquement la position de l'image en traçant deux des trois rayons particuliers issus de B que je t'ai présenté en détail dans cette vidéo de cours précédente. Je trace donc ce premier rayon, ici représenté en bleu, parallèle à l'axe optique et issu de B. Il émerge de la lentille en passant par le foyer image F'. Puis un second rayon particulier, ici j'ai choisi celui qui passe par le centre optique O et les rayons qui passent par le centre optique de la lentille ne sont pas déviés. L'intersection de ces deux rayons nous donne la position de B', l'image de B. J'en profite au passage pour te rappeler que le troisième rayon particulier est celui qui passe par le foyer objet F. Lui, il émerge de la lentille parallèlement à l'axe optique. Mais il n'est pas nécessaire de le tracer deux rayons suffisent pour cette construction. À partir de la position de B', on détermine celle de A', l'image de A en projetant orthogonalement sur l'axe optique, comme ça. Et notre construction est terminée. On va pouvoir maintenant l'exploiter pour répondre aux différentes questions. On détermine d'abord la position de l'image. Quand on te demande la position de l'image, c'est la distance à laquelle elle se trouve du centre optique. Autrement dit, la distance OA'. Sur le schéma, on a OA' égale 1,5 cm. On fait bien attention à l'échelle horizontale ici, 1 cm sur le schéma représente 5 cm dans la réalité. On peut donc écrire que dans la réalité, OA' est égal à 1,5 fois 5, soit 7,5 cm. On conclut sur la position de l'image et on peut écrire qu'elle se trouve à 7,5 cm à droite du centre optique. Ensuite, toujours en exploitant cette construction, on va déterminer la taille de l'image c'est-à-dire la longueur A'B'. Sur le schéma, A'B' égale 1,0 cm. L'échelle verticale, 1 cm sur le schéma représente 1 cm dans la réalité. Donc ici dans la réalité, A'B' égale 1,0 cm. Dernière remarque sur le sens de l'image. Quand on te demande dans un exercice de déterminer le sens de l'image, on attend de toi que tu indiques si elle est dans le même sens ou si elle est renversée. Dans notre cas, on observe que l'image A'B' est renversée par rapport à l'objet. L'image est orientée vers le bas, alors que l'objet, lui, est orienté vers le haut. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est renversée. Ce type d'exercice se termine souvent par le calcul du grandissement. Et c'est avec ce savoir-faire que je te propose de conclure. Pour calculer le grandissement, qui se note avec cette lettre grecque gamma, il faut connaître cette formule. Il est égal au rapport A'B' sur AB. Autrement dit, la taille de l'image divisée par la taille de l'objet. Il est également égal au rapport OA' sur OA. La distance entre l'image et le centre optique divisée par la distance entre l'objet et le centre optique. Dans notre exercice, si on applique la formule, on obtient ce résultat. Évidemment, le même résultat, quelle que soit la formule choisie. Attention ici aux chiffres significatifs. Les données contiennent deux chiffres significatifs. Donc on en garde bien 2 pour le résultat. C'est pour ça que j'ai écrit 0,50 et pas 0,5. C'est un résultat sans unité. Lorsque le grandissement est inférieur à 1, l'image est plus petite que l'objet. C'est bien ce qu'on observe sur la construction de notre exercice. Tu peux d'ailleurs penser à vérifier la cohérence de ton résultat comme ça. Si l'image était plus grande que l'objet, le grandissement serait supérieur à 1. Voilà, pour cet exercice corrigé qui reprend les points importants à maîtriser sur le thème des lentilles convergentes, j'espère que c'est maintenant plus clair pour toi et que tu te sens plus à l'aise pour aborder tes exercices ou ton contrôle. Je te souhaite bon courage pour la suite de tes révisions et à bientôt